Et cette idiote, elle est incapable de tomber enceinte. Bon, enfin bon, passons. Donc, pour en revenir à mon potager, donc, Charles étant marié, Louis, prêt à m'annoncer la bonne nouvelle avec Samantha, il nous reste... Marie. Marie, mais oui. 2 ans qu'elle forme un merveilleux couple avec Julien. Dis là, elle a décroché l'oiseau rare. C'est moi qui te le dis. Mais je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'eux aussi sont prêts à m'annoncer une bonne nouvelle. Tu sens beaucoup de choses, dis-moi. Oh oui, écoute, je suis tellement fusionnelle avec mes enfants. Qu'est-ce que tu fais dans un arbre? Et si je ne voyais plus mes enfants? La ferme! On va faire un nouveau jeu, tu veux bien? Oh oui, oh, très bonne idée, lequel? La prochaine qui l'ouvre, oui. Elle saute en marche. Attention, le caprice est au couple, ce que le beurre est au fondant au chocolat. Bah oui, trop saigneur. Maintenant, à toi les vacances de rêve. Ah oh, oui. Ah, oh, j'adorerais Rome. Cette Elisabeth m'a averti qu'un homme te cherchait. Ah ouais? Et il est mignon. T'as vu? Apparemment, il arrive de Paris pour te parler, hein. Un dénommé Richard. Ça va? Ce n'est pas quelqu'un qui te veut du mal, j'espère. T'es folle. Non, mais on ne sait jamais. Comme tu te vantes toujours de multiplier les partenaires. On n'est pas à l'abri d'une mauvaise rencontre. T'inquiète. Bon, très bien. Regardez, pas mal l'amour, hein. Avec ça, je vais exiger qu'il me fasse l'amour sur le champ. Au milieu des gens. Non mais on s'en moque. Je veux qu'il m'aime. Et je vais tout faire pour lui plaire à nouveau. Oui, je veux qu'il me prenne là, maintenant, tout de suite. Mais tu veux pas aller te changer avant? Non, Claire, enfin. Je dois sauver mon couple, c'est tout ce qu'il me reste. N'exagère pas, tu as encore ta famille, tes amis, ton centre de SPA, là, et ton refuge aussi pour les enfants de vie. Comment ça s'appelle? Ah oui, sauvons les petits... Libres, mais seuls. Ah ben, les amants d'une nuit, c'est rigolo pour une nuit, mais en fait, tu es seule. Totalement seule. Terriblement seule. Bon, si t'as envie que j'ouvre le gaz en rentrant chez moi, continue, hein, t'es sur la bonne voie. Je ne veux plus qu'on se quitte. C'est pas prévu au programme. Bien! On va alors pouvoir partager plein de choses. On va faire les boutiques ensemble, on va aller au ciné ensemble, on va faire plein de sorties ensemble. Oh là là, oh là là. Même que j'appelle mes amis pour sortir. Alors là, excuse-moi, mais si elles ont encore la corde au cou, tu peux faire une croix dessus. Bah oui, la mauvaise nouvelle, c'est que tu ne seras plus invitée à aucun dîner. Enfin, mais c'est idiot ce que tu dis. Je quitte mon mari, certes, mais mes amis restent les mêmes, enfin.